N'est facile pour personne. Son processus est difficile à accepter. Mais dans l'épurement, Dieu révèle son tempérament juste à l'homme. Il lui montre ses exigences. Il l'éclaire et il y a plus d'émondage de traitement. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa En comparant les faits et la vérité, Dieu donne aux hommes plus de connaissances. De même la vérité et sa volonté, pour qu'ils aient un amour de Dieu plus pur et vrai. C'est ce que Dieu vise en réalisant l'épurement. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa dans l'homme a un but et une importance. L'œuvre de Dieu n'est jamais futile. Elle sert toujours l'homme. L'épurement est un test pour l'homme et un entraînement réel. Son amour ne peut servir ses fonctions qu'à travers l'épurement. L'épurement ne signifie pas éloigner les gens de Dieu, encore moins les détruire en enfer, mais changer le tempérament de l'homme, ses intentions, ses vieux concepts, changer son amour pour Dieu et changer toute sa vie, changer toute sa vie.